Le loup vient de faire un bruit de flingue. Ou je rêve, MDR. Non, non, j'ai tiré avec le flingue, c'est pour ça qu'il est mort qu'il a fait un bruit de flingue. Enfin, que tu as entendu un bruit de flingue. Ils sont relous avec leur loup, hein. Ils sont relous avec le loup, leur loup, pas mal Warlock, ils sont relous avec leur loup. C'est même pas fait exprès en vrai, si vous voulez tout savoir. Ah, va te faire voir. Quand je le dis que vous êtes relou avec vos animaux, je l'ai tué, comment il est revenu? Expliquez-moi. Comme d'ailleurs Tonio en même temps. Il y en a un autre? Voilà. Du coup, tu vas me dire que c'est indisponible aussi? Ouais, voilà. Y en a d'autres? Où je peux avancer en paix là. Sais, le mec qui rentre dans la zone rouge comme si c'était chez lui, tu sais, hein, au calme. Tout calme le chien, fous-moi la paix. Bon travail, chef. Il ne reste plus qu'à utiliser ces matériaux pour augmenter la puissance du Morrigan. Il nous faudra des canons plus puissants pour approcher de ces... J'ai envie de le dire, la poutre s'installe partout. Ah bah oui. Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle s'installe partout? C'est très intéressant. Ah, mortier, ça je veux. Direct. Mortier, c'est la patate. Il y a déjà la flotte de Shai ou pas? Ah non, pas encore. Mortier, oui, c'est très intéressant. Magnifique! Le Morrigan sèmera la terreur parmi les défenseurs de ce fort. Pas encore, normalement, si je me rappelle bien. Mortier qui s'appelle la patate? Quoi?
Ah, emparons-nous d'un fort sur l'eau. Capitaine à la roue. Votre navire a fière allure, Master Cormac. Avec Schtroumpf, je vous nuque. Tout est bien. De résistance. Espérons que les Français seront pugnaces. J'ai hâte de me mesurer à eux. Attends, mais tu m'amènes sur un fort. Mais il est où ton fort, toi? Ah, c'est un fort moyen. Ah, carrément. Ah, rien que ça. Par les temps qui courent, nous en avons déjà bien assez. De toute façon, il nous suffira de trouver le commandant pour que les Français se rendent, non? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer par affaiblir les défenses du fort. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière. Bon, bah, allons-nous faire un fort! Où ça? Ah, bah, ça m'intéresse pas. Je suis trop loin. Ce putain nous tend les bras, capitaine! Non, il est un peu loin. Capitaine! Voilà notre cible! Longue vue permet de tirer des mortiers à longue distance. Maintenez L1 pour activer la visée au mortier et orienter R pour viser et tirer avec R2. Toi, prendre cher! C'est fort en chocolat? Ça me l'air. Et moi, pas avoir gros bateau énervé encore. Après moi avoir bateau énervé, moi mettre des nuques à tout le monde. De toute façon, je peux toujours le réparer, le Morrigan. J'aime bien la musique, ouais, c'est pour ça que je me bats en fait, parce que je l'aime bien aussi. Oh, shit.
Le chasseur ? Shay. Ça faisait si longtemps. Tu étais parti en mission spéciale ? Oui. Achille m'envoie. Quelle coïncidence. Moi aussi. Combat contre le premier assassin, ok. Ne m'oblige pas à faire ça, chasseur. On pourrait s'en sortir tous les deux. Bien sûr, mais j'irai raconter à tes frères que tu es encore. Tu vas devoir me tuer. Oh! Toujours été un bon assassin, Shay. Toi aussi. J'ai, merci. Dis-moi, que fais-tu si loin dans les terres? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité de reposer en paix. GG, merci, merci beaucoup. Et après, il repart comme un thug. Du coup, ça fait une zone complètement libre, donc du coup, on a pas mal d'annexes à faire. Avant de pouvoir aller plus loin. Le chasseur avait raison. Je n'avais pas le choix. Si les assassins découvrent que je suis vivant, ils me traqueront. Ensuite, deuxième coffre. C'est là-bas. Ok, bon ben maintenant on se barre. De réparer le Morrigan avec toi ? Ce sera, capitaine ? J'ai un doute. Mais un gros doute. Ah ok, bon ben ça a déjà été fait en fait. Merci pour votre confiance, capitaine. Pendant que tu t'employais à prendre le fort, je suis tombé par pur hasard sur la trésorerie. Tiens donc. Il y a des jours comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé notamment des cartes et des plans de route commerciale française. Qu'est-ce que tu mijotes, Gist ? Je me disais qu'on pourrait s'en servir pour aider la Royal Navy et se remplir les poches. J'ai rangé ces cartes dans ta cabine, juste au cas où, bien sûr. Et c'est là que ça commence.
La campagne navale vous présente. Allez, go. Déjà? Bah tu as fait vite. Bon, j'ai pas beaucoup de bateaux, donc on verra plus tard. Après, on va recruter des manoirs, c'est moi qui vous le dis. Des manoirs, des frégates, des bricks. Alors, pour cette fin de live, on a quand même encore un petit peu de temps, hein, tu vois, on a encore une demi-heure, tranquille. On va aller ici. Remerciements et les félicitations du colonel Shay. Et on va commencer à faire de l'annexe. Tu as l'air soucieux. Geest, il ne t'est jamais arrivé de te demander si tu te battais pour la bonne cause. Oh, autrefois, mon jeune ami, mais plus maintenant. Pas depuis que j'ai rencontré le colonel. Et pourquoi douter? Les Français sont implantés sur notre territoire. Nous devons les chasser. Bien sûr. Tu as raison, Geest. Allez, cap sur New York. Non, non, tout calme. D'abord, cap sur l'annexe. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Oh, boys, oh, boys, oh. She's lovely 'cause she loves me, that's all I want to know, boys. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Ah bon, c'est possible de faire ça maintenant? T'es pas au courant. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a un coffre, trois objets à collecter, un point d'observation, une activité, objet de quête, on a des lapins et des castors. Ok. Ah ben tu peux toujours attendre. Du coup, ah non, on a un champ récupéré, vous êtes sérieux. Point de synchronisation, Patrio sur 20, non, à peine. Attends, comment je récupère ce coffre? Il y a des trucs souterrains? Ah, ok. Plus on voit rien avec cette espèce de brouillard là, de flemme de développeur. Hein. Ok, c'est grand comment? Ah oui, c'est bien grand, oui. Ben on va aller récupérer le charme, puis après on va s'occuper de la peinture rupestre, et puis après on va s'occuper de chasser un peu. Fais le méningite aigu, attention, maladie très grave chez les développeurs, c'est clair. Y'a que ça chez les développeurs. Ouais, bon, on va faire le tour.
Je vais l'avoir. Ensuite, là, on a la peinture rupestre. J'ai jamais compris ces trucs. On dirait un enfant de 3 ans et demi qui fait des dessins. Ok, qu'est-ce qu'il y a à chasser qui pourrait être intéressant? Ah, il y a une carte au trésor aussi. Bah logiquement, les espèces de castors, ils sont pas très compliqués sur rien à gifler. Hein. C'est gros, ça va doucement, et puis... Et ça fait un bruit bizarre aussi, ouais. Je vous l'accorde. C'est bon, je peux chasser tranquille. Hello tout le monde, salut Captain, comment tu vas? Injustice. Tirer des chèvres que j'égorge. Salut Capitaine, tu es là, tu reviens de la galaxie? Pussycat and...
Eh bien, merci et vous, ça va, merci. Je reviens de la galaxie boulot. Ah bon. Lundi prochain. Alors. Ça va aller, ça fera l'affaire. Merci. On sort de là. Oui, bien, mais j'ai un autre rendez-vous demain après-midi, donc pas de live demain pour moi. Mais ce soir, oui! Ce soir, c'est le retour de Juna et Wack. Ce soir, après le taf pour moi. Mais ce soir, ce sera pas la coop. Hein. Oh, c'est chiant ça. Ouais, mes horaires de live vont changer, je vous dirai. Je passe par où moi pour arriver là? Tout droit. Venez de la voir, bande de renégats. In Amsterdam there lived a maid heart. Well, what I do say. In Amsterdam there lives a maid, and she was mistress of her trade. And go no more a roving with you, fair maid. A roving, a roving, since roving's been my ruin. No more a roving.